Salut, salut, c'est Thibaut et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer une boîte blanche donc pour pouvoir faire des vidéos avec une meilleure qualité. Déjà pour commencer, il faut deux feuilles de calque, une feuille A4, un rouleau de scotch, un rouleau de petit scotch, un cutter ou un couteau, un feutre, une grande feuille, je sais pas vraiment si c'est du format A3. Et un ciseau. On va déjà commencer par scotcher le dessous. Ensuite, nous allons le retourner et retirer toutes les petites imperfections. On va le coucher et ensuite retirer la partie du haut. Une fois retiré, on va retirer l'espèce de toit au-dessus. Voilà, on va essayer de faire un trou. Je vais vous montrer ça. Faut pas encore le retirer totalement parce que maintenant il va falloir mettre un petit peu de scotch là sur les deux bouts pour pouvoir faire tenir tout ça. Éviter que ça se casse et ça part. Ensuite, on découpe la dernière partie pour tout retirer. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez mettre un petit peu de scotch pour pouvoir faire tout tenir. Ensuite, vous basculez le carton sur le côté et avec une feuille A4 et un feutre, vous dessinez tout le contour pour pouvoir ensuite découper. Ensuite, moi personnellement, je vous conseille de couper directement sur le trait. Découper un peu plus vers le centre, un peu plus dans le centre, pour pouvoir utiliser qu'une feuille de calque et pour éviter d'en utiliser deux, parce que moi j'ai fait cette erreur et j'ai dû en utiliser deux. Alors je sais que c'est un peu galère à faire, après n'hésitez pas à scotcher les deux parties du haut comme vous voyez là, parce que moi personnellement ça a cassé, donc j'ai dû scotcher un peu tout rafistoler. Et ensuite, idem pour l'autre côté. Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez renforcer un peu le dessus en mettant un peu de scotch, voilà, comme vous voyez à l'écran. Et étape suivante, il va falloir maintenant recouvrir les trous, donc tout à l'heure qu'on a fait sur les deux côtés, avec des feuilles de calque. Allez, ensuite, courage, on a bientôt fini. Maintenant, il va falloir juste mettre les feuilles blanches. Après, donc, pour mettre la feuille blanche, rien de plus simple, voilà, il faut juste mettre... les faire tenir en haut et en bas avec du scotch. Moi personnellement j'ai mis 3 feuilles blanches pour avoir, pour que ça tienne un peu mieux, que c'est un peu plus résistant. Après vous faites comme vous voulez. Moi personnellement j'en ai mis 3 et j'ai mis 3 bouts de scotch en haut et 3 bouts de scotch en bas. Et ensuite vous avez terminé. Et après donc voilà un peu rendu, voilà ce que ça rend, c'est vraiment beau, personnellement je trouve ça magnifique. Après faut que je mette des lampes sur la gauche et sur la droite, derrière les feuilles de calque, voilà à quoi vont servir. Donc pouvoir mettre des lampes et donc faire un effet de lampe blanche, ça va faire vraiment très sympa. La vidéo, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo dans les commentaires de la vidéo. Et je vous dis moi, jusqu'à la prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao les amis.